Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode de Fallout 4 Far Harbor, chers amis. Donc, nous allons parler à Dima. Bonjour Dima. Dima, j'ai récupéré les holobandes dans le refuge de Martin. Excellent. Oui, elle devrait faire l'affaire. Tant mieux. Laissez-moi écouter. Ça fait du bien d'entendre à nouveau sa voix. Tout cela est un peu sinistre. Je n'aime pas déformer les paroles d'un vieil ami, mais je pense que Martin comprendrait. Mm-hmm. Cette holobande devrait suffire à piquer la curiosité du grand confesseur pour qu'il vous rejoigne dans le centre de commandement. Mais attention, Dectus est du genre prudent. Il faudrait commencer par gagner sa confiance pour mettre toutes les chances de votre côté. Ensuite, vous devrez vous débarrasser du corps. Les anciens puits de maintenance n'ont jamais été bien entretenus. Il devrait faire l'affaire. Quand vous aurez terminé, revenez me voir et nous enverrons le synthétique le remplacer. Alors, pouvons-nous commencer ? On travaille. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Voici l'holobande. Le sort de cette île est entre vos mains. Bon, je fais une sauvegarde déjà tout de suite ici. Histoire de m'assurer que tout se passe bien. C'est-à-dire que je veux pas le tuer, Tectus. C'est un fanatique, mais j'ai dit que je tuerais le moins de monde possible. Voilà. Du coup, non, je ne veux pas le tuer. Si je pouvais, par contre, le faire fuir. Comme on avait prévu, je crois, dans le précédent épisode. Il me semble que j'en ai entendu parler dans le précédent épisode, de toute façon, ce genre de choses. Qu'on pouvait le faire changer d'avis, peut-être. Enfin, c'est ce qu'on avait dit, je crois, qu'on devait le changer d'avis. Attendez, j'essaie de me souvenir du truc, mais je crois que oui, on va essayer de le faire changer d'avis. Et voir si on peut simplement le faire partir sans le tuer, et le remplacer ensuite. Parce qu'après tout, là, si on n'est pas obligé de couper la tête définitivement, on peut la faire partir. Une fois que l'autre Tectus est en place, on pourra dire, bah non, l'autre, c'est un synthétique, par exemple. Bon, après, le problème risque de tuer les deux. Et là c'est moyen, je vais éviter. Ou alors le tuer les deux, je tue celui qui dit que c'est un synthétique. Bref, non, on va finir par tuer des gens. Donc on va éviter de le tuer déjà, on va voir ce que ça va donner. Et on verra bien si oui ou non on peut le faire en le faisant vivre. En le laissant vivre plutôt. Bah. Tectus. Pas cactus, hein, Tectus. Ok. Alors, est-ce que cette fois-ci ça marche? Oui. Est-ce que ça marche sur moi? Aucune idée. Oh là, ça a pas l'air d'être là. Attendez. De mémoire, il me semblait qu'il y avait des trucs à la con dans le coin. Genre par là. Voilà, je me bouffe des rades. Vas-y, mets-toi. Voilà, plus un rad. Oh, voilà, plus un rad. On voit bien qu'il y a du rouge là. On voit bien du rouge. Ça m'enlève strictement rien, d'accord. Ok. Bon, bah tant pis. Oui, il va être là-dedans, j'imagine. Tout à fait, mon cher Thierry. Bon. Hop là, crac. Un sous-marin. Il y en a un pas loin de chez moi. Je me rappelle plus du nom, j'essaie de me souvenir du nom. Le pire, c'est que j'ai le père de mon meilleur ami. Excusez-moi, qui grand travaille. Confesseur. Bienvenue, mon enfant. Vous êtes un modèle parmi nous, vous savez. Votre dévouement envers notre foi et notre famille est exemplaire. Oh, mais... Bien. Merci. En quoi puis-je vous aider? Merci. J'ai voici la cassette. Une holobande. Le confesseur Martin prépare son retour et sa prise de pouvoir. Nous devons élaborer un plan. Mais pas ici. Les tunnels du centre de commandement devraient être assez éloignés des autres enfants. Oh, c'est Martin. Un peu trop rapide. Impossible. Faites-moi écouter ça. Je veux entendre la voix de ce lâche. Jouer le nouvel âge de Martin. Le nouvel âge de Martin. C'est un peu trop facile la façon dont ça a été amené, je trouve. Hein. Je trouve ça moyen. Le nouvel âge de Martin. Ah, bla, 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 bla. Alors, le nouvel âge de Martin. Hello.
Profite. Écoutez, mes enfants. Le règne de Tectus est révolu. Le noyau va entrer dans une nouvelle ère. La mienne. Il est encore plus moche comme ça. C'est tout ? Oh putain. J'arrive pas à le croire. Il est vivant. Les autres enfants ne doivent rien savoir. Le centre de commandement, vous avez dit ? Je m'assurerai que nous ne soyons pas dérangés. Parfait. Nous allons pouvoir discuter un coup de balle dans la nuque. Non, bref. On va arrêter de se moquer de lui, on va pas le tuer, on va essayer de pas le tuer. On va essayer. Même si il a l'air complètement timbré, on va essayer de pas le tuer. C'est pas grave, c'est pas de sa faute s'il est timbré. Regardez Malcolm, ils sont tous timbrés dans la famille. Bon, c'est de la faute de la mère. Je suis d'accord, mais... Non. Qu'est-ce que... Ah, une poche de sang, comme ça. Ok, why not. Mais j'y ai pas déjà été dans ce machin-là. C'est pas genre l'endroit où j'ai tué plein de choses. Parce que bon, si j'en avais pas tué, si j'avais pas tout tué, ça aurait été rigolo, parce que... C'est pas moi de le tuer. Ça aurait été pas mal, ça, en fait. J'aurais pas du tout tué. J'aurais dû en laisser un qui puisse le tuer. Remarque. C'est peut-être encore possible. Non. Non, bon, tant pis. Ah oui, j'ai pas visité cet endroit-là, je crois. De mémoire. Ah, j'étais con de pas visiter son roi. Oh. Sympa. Bon, y a rien, mais c'est sympa quand même comme endroit. J'aime bien. Ouvrir. Toc, toc, toc. Qui est là? C'est moi. Qui ça, moi? Bah, moi. Ah bon? C'est toi? Non, c'est moi. Qui ça, moi? Toi? Non, moi. What the... Mon enfant, montrez-vous. Oula. Ah, vous voilà. Bien. Dites-moi ce que vous avez trouvé sur Martin. Oh bah, c'est si simple que ça. C'est terminé, Tectus. Dima m'envoie vous tuer et je le ferai si c'est nécessaire. Oh bah, ça devrait passer, si là. Si vous consentez à partir définitivement, je vous laisserai la vie sauve. Vous êtes de mèche avec... Ce n'est pas du bluff, hein? À ce que je vois, son influence s'étend à toute l'île. Bien. Cette... maudite machine aura ce qu'elle veut. Quoi? C'est aussi simple? T'avais rien sur toi d'intéressant? Des cartouches? Ouais, pas. Bah. Allez. La balle dans la nuque. Non, peut-être pas quand même. Non. On avait dit pas la balle dans la nuque. On... Non. Résiste. Ouh, la mine. La mine qui ferait du mal à personne. Est-ce qu'il me reste des mines? Fragmentation mine. Oh là là, on pourrait, chers amis. Non, les mines, on les aime pas. De toute façon, on n'utilise pas les mines. Bon, on résiste. Je suis fébrile. Je tremble sur ma souris, chers amis. Bref. Taïo. Ouais. On a dit qu'on allait pas le... Ouverture au ralenti. Est-ce que le chargement sera au ralenti? Techniquement, c'est censé être au ralenti. Mais je vois que l'image semble... On a trouvé le ralenti. Oui. Bon, la salut. La mer du brouillard, incroyable. Ouais, je sais, c'est... T'as de très beaux cheveux. Mais alors, vraiment magnifique, hein. Bravo. Ok, il fait un temps de chiottes ici, quand même, hein. Kenigou, va dans l'eau. Kenigou. Hé, hey, allez là-bas. Non, reste. Attendez, reste, là. Kenigou, reste, va pas dans l'eau. Après, ça pue le chien mouillé. C'est... Allez. Bref. Alors, retournons voir Dima pour la quête réforme. Ok. C'est un peu des quêtes FedEx quand même. Hein. Sans vouloir mal parler.
D'abord utilisé par la gang de... Non, il y a plus de ralenti là, Marvin. Peut-être qu'un jour, d'autres endroits du monde nous acceptent. Ah. Excusez-moi. Oh putain, le démon. Le démon le but. Sans Acadia, je serais mort. Le démon les habite toutes. Moi, je pense qu'on va devoir faire, chers amis, c'est tout simplement parler à Dima avec le ralenti. C'est une nécessité. On est obligé de casser tout le sérieux de cette intrigue. Je me sens obligé de le faire. Attendez, je me sens obligé. Non, je rigole. Sauvegarde au ralenti. C'est parti, au ralenti. Oh, c'est terrible. Bref. Règne à nouveau sur l'île. La vision. Sinon, on n'est pas rendu. Était particulièrement clair à ce sujet. Je dois vous remercier de m'avoir offert votre protection. C'est bien normal. Vous pouvez rester aussi longtemps qu'il vous plaira. Vous êtes trop bon, Dima. J'ai simplement besoin d'un peu plus d'air frais. Tu veux dire d'air gradié? Il est drôle celui-là. Yo. Hey, Dima. J'imagine que vous avez entendu la nouvelle. Effectivement. Le grand confesseur a une vision. Atome exige la paix. J'imagine que vous venez me dire que votre mission est accomplie. Je l'ai persuadé de s'enfuir. Je l'ai persuadé de quitter définitivement l'île. Je vois. Ce n'est peut-être pas la meilleure solution, mais le résultat est le même. Il fera difficilement plus de mal. La paix va enfin régner sur l'île. Ce que nous avons fait pèsera sur notre conscience, mais désormais, le noyau, Far Harbor et Acadia vont prospérer. Ensemble. Tant mieux. La seule chose à faire. Vous êtes un monstre, pardon, de ma récompense. C'était la seule chose à faire. C'était nécessaire. Oui. L'espoir d'un avenir plus radieux. Voilà ce qui justifie nos actes. Tout à fait. Je vais m'occuper du reste. J'organiserai des pourparlers entre les enfants d'Atome et Far Harbor. Ils apprendront à prospérer ensemble, avec notre aide. Tout à fait. Les enfants resteront dans leur bastion irradié. Les habitants de Far Harbor continueront de se battre pour leur survie. Et pour reprendre ce que le brouillard leur a volé. Et mon peuple sera en sécurité. Tenez, pour votre aide précieuse. Vous devriez également passer au noyau. Oh! Je crois que le grand confesseur souhaite s'entretenir avec vous. Ah bon? Et bien sûr. Oh, 1500 capsules! À Acadia quand vous le souhaitez. Après tout, je ne sais pas ce que nous aurions fait sans vous. Attendez, j'ai une. Vous avez reçu le petit protecteur d'Acadia lorsque vous subissez des dégâts importants. Bénéficiez d'une chance de recevoir un bonus important mais temporaire de résistance aux dégâts et à l'énergie. Ouh. Ok. Bon, on a un point à mettre. On a la régène, c'est vrai, on a la régène ici. Où est-ce qu'on pourrait le mettre? Ici, pourquoi pas. Je n'utilise pas beaucoup d'armes de corps à corps. Il va falloir que je m'y mette. Gna gna. Restez sur votre cible de région du jeu est meilleur avec toutes les armes et le niveau 2 est encore meilleur. Non, je pense en rendre infirme, 50 dégâts. Bah alors, non. Et pourquoi tu veux pas mettre le niveau suivant? Ok, le jeu fait sa pute. Bref. Est-ce que je remets un point en force pour la forme ou pas? Ou est-ce que je le mets là? C'est pas intéressant. Allez, on le met. Hop, c'est parti. Soyons fous. Ok. Bon, d'accord. Ensuite. Près de chez moi, parler à Kasumi. Ah oui, est-ce qu'on la ramène? Ah, j'ai pas pensé à en parler de ça. Merde. Bah merde, elle est dehors. Non, elle est en dessous. Elle est en dessous. C'est bon. Merde. Et puis, y a pas eu des masses d'action, y a pas eu de... Acadia paie pas de mine. Je t'ai glissé qui arrive n'importe comment, n'importe où. D'entre nous, c'est tout ça. Allez, saute. Ah voilà. Appelez. Ok.
Kazumi ! Allez là. Il semblerait que la paix va de nouveau régner sur l'île. C'était vous, n'est-ce pas ? Vous avez trouvé un moyen de tout régler. Eh ouais ! C'était la seule chose à faire, encore une fois. C'était la seule chose à faire. Je tout n'arrive à fait. Pas à croire qu'il existe encore des gens comme vous. C'est pour cette raison que j'avais du mal à faire confiance à Dima. Il est trop altruiste. Mais vous êtes exactement comme lui. Eh ouais ! Quand vous sauf que moi, je suis pas un robot. Vous vouliez me ramener chez moi. J'espère. J'ai beaucoup réfléchi. Et donc ? J'ai fait beaucoup de peine à Kenji et Rei en partant, n'est-ce pas ? J'aurais pu faire comme si tout allait bien, mais je les ai abandonnés. Est-ce que je devrais rentrer ? De toute évidence, ils m'aiment beaucoup. En tout cas, ils aiment ce qu'ils croient que je suis. Ils ont besoin de leur fille. Ils méritent d'en avoir une. À Acadia, tout a été... réglé. J'ai trouvé mes réponses. Il est peut-être temps que je pense aux autres. C'est peut-être égoïste, chers amis. C'est peut-être égoïste, mais personnellement, je pense que... même si on doit quelque chose à nos parents, on ne doit pas non plus... enfin, je veux dire, à un moment ou à un autre, on doit quitter le nid, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous ne dites plus rien. Oui, ben je parle, tu permets, je parle. Comment ça ? Donc voyez, on doit quitter le nid, donc. Est-ce qu'elle a besoin d'y retourner maintenant qu'elle a trouvé sa place ? De quoi est-ce que vous parlez ? Je sais que la vraie Kasumi est morte et que j'ai pris sa place. Mais est-ce que Kenji et Rei sont au courant ? Et si on pouvait de nouveau former une famille ? Tout ce que j'ai à faire, c'est rentrer. Leur rendre la fille qu'ils pensaient avoir perdue. Je leur dois bien ça, non ? Acadia est votre maison. Vous avez déjà pris une décision en venant ici, Kazumi. Acadia est désormais votre maison. Votre famille. Vous avez raison. Je dois décider où est ma place. Voilà. Et j'estime qu'elle est ici. Prenez tant mieux pour toi. Prenez soin de Kenji et de Rei pour moi. Vous voulez bien ? Ce sont des gens bien. Je ne voulais pas les blesser. Je ne savais pas. Merci pour tout. Je vous verrai à Acadia. Et nous y sommes à Acadia. Banane. Parler à Monsieur Nakano. Ah là là, le retour va être douloureux, chers amis. Le retour va être douloureux. Ah là là. Ah là 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 là. Surtout qu'en plus, c'est la fin de la série, du coup. Ah là là. Non, on avait encore des quêtes vis-à-vis de l'Institut à faire. Une quête principale d'Institut à réaliser encore sur place. Donc, ça, on peut continuer. On peut continuer encore un peu. Bien que je doute qu'on aille jusqu'au 200e épisode, honnêtement. Bon. Parler à Monsieur Nakano, mais il est où Monsieur Nakano ? Il faut reprendre le... Il est arrivé à Far Harbor ? Seriously ? Genre, seriously ? Bon... Là, autre chose. J'espère qu'il n'est pas arrivé. Bah non, il avait plus de bateau. Il semblait qu'il avait plus de bateau. Le fusil a donné 10 balles dans les tyrans, ce qui en cause plus de dégâts balistiques et un petit bonus. En plus des dégâts balistiques, un petit bonus de radioactif. Intelligence correspond à un événement. Ouais, bah, tu parles. Tu parles. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que vous faites tous ? Qu'est-ce qui se passe ? Au pêcheur, du calme tout le monde. Silence. Le grand confesseur Tectus, leader des enfants d'Atome, a déclaré officiellement qu'il faisait la paix avec... Ah ! Et vous le croyez ? Oui. Il a dit qu'Atome lui avait envoyé une vision. Et vous les connaissez. C'est pas le genre à plaisanter avec c'est ça. Pas faux. Ces missionnaires. Ils ne poseront plus aucun problème. Il leur a interdit de venir à Far Harbor. On ne verra plus un seul prêcheur ici. Ils sont prêts à pardonner Allen pour ce qu'il a fait. Leur dieu leur a ordonné de passer l'éponge. Donc oui, je crois que ça veut dire qu'ils nous pardonnent. Donc ils vont rester gentiment dans leur partie de l'île et nous dans la nôtre. C'est tout. C'est un peu bizarre quand même la fin. Il faut que j'en parle. Tectus n'est pas rentré dans les détails. Mais il a dit que vous étiez un instrument de la volonté d'Atome. Et ouais. Grâce à vos actions, je crois qu'on a une vraie chance de faire durer la paix maintenant. Ah bon ?
Eh ben écoutez, bonne continuation. Je vous souhaite une bonne continuation. Vraiment, on ne vous mérite pas. Une fois que le brouillard s'en sera retiré, comme il le fait toujours, nous reprendrons notre île. Ah bah, je serais curieux de voir ça. Grâce à vous. Je serais... Sans armes, vous ferez pas de violence. Je suis couvert de pixels. Ah, les temps sont durs. Toi, là, t'es encore en vie? Ne sous-estimez pas les trappeurs de l'Azalée. Ah, ouais, il y a ça aussi à terminer. Ouais, ouais, ouais. On va aller se faire l'Azalée, chers amis, rapidement. Trou dans la coque de... Ouais, parce qu'on l'a pas fini. Et... Enfin, moi, je l'avais fait, chers amis. Mais pas vous. Mais pas vous. On va se mettre au Grand Hôtel ou à Acadia. Grand Hôtel. On va y aller et on va se faire ça rapidement. Parce que là... Moi, je l'avais fait en solo, chers amis. Malheureusement, ça avait mal fonctionné au niveau de l'enregistrement. Et j'ai encore un compte à régler. J'ai encore un compte à régler. Ou alors, je le garde pour le prochain épisode en faisant complètement ma pute. On verra bien. We'll see. Ah ! Ah ! Il n'y avait pas de mine la dernière fois que je suis venu. Kenigou, cours ! What the... What? Tout le repop dans le jeu. Boum. Tu l'as vu venir? Je crois pas. Boum. Il a explosé celui-là. Je l'ai vu. Vous inquiétez pas, je l'ai vu. Ah, pourquoi il baisse pas? Boum! Hop, il m'a pas vu. Boum. Alors, il est où le dernier? Je vois rien. Ah, si, c'est bon, je l'ai vu. Oh. Boum, voilà, plus personne. Problème résolu. J'ai juste cru voir un légendaire dans le coin. Ah, le voilà, d'accord. Bon, d'accord. Hop, on roule, on continue, on s'embête pas avec eux. Crac. Ah ah, le voilà. Le voilà, le fameux MS Azalée. Si je me rappelle bien, il y a une chier de bestiole en contrebas au niveau du bord de la mer. Du bord de mer, plutôt. J'ai cru entendre un bruit bizarre. Bizarre. Vous voyez ce tiroir, et alors? Oh. Ok. Où est-ce qu'il est? Il est là. Ok, il y a un venimeux en plus. Oh, la bonne tête. Voilà. Problème résolu sur le premier. Wow. Ah, il y a surtout un légendaire en fait. Ok. Puis, peux-tu me montrer ta tête s'il te plaît? Merci. What the... Aïe! Il t'a rien fait, Kanigou! Non, plutôt la tête. Boum! Bitch! Et la deuxième, normalement. Boum! Voilà, qui lui découpe. Parfait! Il fait des dégâts de malade. Vous savez tous, chers amis, que j'ai une armure qui est pas craquée, mais qui est quand même assez badass. Mais vraiment, il fait des dégâts de malade.
Heureusement, je suis sûr qu'il n'y a pas de crocodile dans celle-là. Par contre, dans Far Cry, j'aurais dû vérifier avant. Remarque. Peut-être ça qui manque aussi dans ce Fallout. Hein. Un peu de choses contextuelles, en fait. Qui cimentent un peu l'univers. Enfin bon. Ok, on y est, chers amis. On va y aller en mode bourrage. Allez, on se fait plaisir. Tiens, non. Viens, fais copain avec moi. À l'attaque. Vas-y, attaque tes copains. Hop. Ah oui, ils font très très mal. Par contre, là, je peux vous le dire, ils font très très mal. Du calme. Main en l'air. Ok, t'as pas voulu. Attaque tes potes. Raté. Les mains en l'air. À l'attaque. Vas-y, attaque tes copains. Tellement mal. Allez. Boum. Ça fait mal. Boum. Ah mince. Voilà, problème résolu. Allez, attaquez vos copains. Comme des grands. Retournez auprès de la marine. Ah bah c'est bon. Oula, il y en a un qui tremble. J'en vois là-bas. Oula, ce coup. Hop les. Hop les. Ok. Boum. Oh, j'ai pris une balle. Merde, je les vois plus. En dessous. C'était B. Hop. Oh, le cadavre qui vole. Je crois qu'il y en a un là-bas aussi. Hop, je crois qu'elle est rentrée là. Boum. Et il a survécu le sac. Le brouillard te rend. Le brouillard n'épargne personne. Bon, on retente la grenade. Hop les. Ça c'est fait. T'essaies de me cacher. Tant mieux. Mais non, je sais c'est pas de me cacher. Drôle comme ça. Ah oui non, il parle à ses copains. C'est quoi ce truc là? C'est un vilain? Ou c'est un copain? Ah non, ils se tirent peut-être dessus entre eux. Attendez. Je m'en approche. Ouais, ils se tirent dessus entre eux. Ok. Bon. Je vais te saigner. T'es où? Par contre, on a encore des ennemis en dessous. C'est ça. Ok, les voilà. Hop, ça touche. Et vos copains, ils sont où? Allez. Hop. Puis là. Bah alors. Oh. Oh, j'ai raté sa tête de peu. Crac. C'est bien grimpé. Non. Non, tu veux pas. Oh, bonjour. Au revoir. Alors. Bonjour. C'est pour un sondage. Oh. Ok. Alors par contre toi je sais pas ce que tu fais là-bas. Qu'est-ce que... Oh putain, il nage vite celui-là. Oh putain, il nage vite celui-là. Et boum. Oh, cette kill cam. Cette killcam de la beauté. Et ben voilà. Problème résolu. Retour à Acadia. Hop. Et ben oui. Il en reste deux et c'est des copains. Ils gardent la zone. Ils gardent littéralement la zone. Rien à dire de plus. Rien à dire de plus. Si vous saviez à quel point j'en ai chié dans la première fois, je crois que je l'ai recommencé 5 fois. Là, je l'ai fait peinard. En mode je bourre, plutôt qu'en mode tentative de faire des choses stupides. Par exemple, utiliser le harpon. Oh putain. Oh la gueule. Bon.
Bon. Eh bien écoutez, sur cette dose d'action qu'on va se laisser les amis, merci d'avoir aidé cette vidéo, n'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, n'importe quoi dans l'arrière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir aidé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens.